tous, Anna de Lumière Intérieure. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous allez bien? Oui? Allez, on dit oui là, hein? On fait un petit effort, on dit oui, et puis si ça ne va pas trop bien, eh bien, comme dirait la chanson, je ne sais plus ce que c'était, ça ira mieux demain, hein? Mais vous pouvez déjà décider que, à partir de maintenant, de cet instant, vous allez aller mieux. D'accord? Et ça va déjà changer quelque chose à l'intérieur. Donc je la refais? Allez, je la refais. Bonjour Anna de Lumière Intérieure. Vous allez bien? Oui? Super! Je suis fière de vous. Alors on commence. Alors aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur justement. Vous l'avez vu dans le titre. Se nourrir du meilleur. Et si on se nourrissait du meilleur? Alors... je voudrais vous parler de cela, de ce sujet-là, mais il ne s'agit pas seulement d'alimentation, enfin de nutrition pour nourrir notre corps physique, mais de tout ce dont nous avons besoin, de la nourriture dont nous avons besoin pour être bien, en bonne santé, mais pour aussi être dans la plénitude, vivre le bien-être. Donc une nourriture qui est bonne pour notre santé physique, mais également pour notre bien-être psychique, émotionnel. Hein? Voilà, parce que comme je le dis souvent, nous sommes des êtres multidimensionnels et il est important de prendre conscience de cela pour décider, si vous ne l'avez pas encore fait, de nourrir tous les aspects de notre être pour être une personne, un être totalement équilibré, qui vit dans la plénitude, dans la joie et qui vit sa vie, qui ne la subit pas, qui ne la subit plus. D'accord? Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, je vais essayer de faire une vidéo assez courte, donc d'essayer de condenser tout ce dont je voudrais vous parler, juste aborder quelques petits points essentiels, hein. Et si cela vous intéresse, si vous avez envie que je développe un peu plus, vous pouvez déjà trouver tout un tas d'informations dans toutes les vidéos que j'ai déjà enregistrées depuis que j'ai commencé ma chaîne et mon blog. Pour être bien, pour être heureux, pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, pour être un être équilibré, eh bien, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de nourrir tous les aspects de notre être, comme je l'ai déjà dit. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore commencé ce chemin-là, eh bien, je vous encourage à revoir votre alimentation et à donner à votre corps ce dont il a le plus besoin, à lui donner des aliments nutritifs qui vont venir nourrir vos cellules pour que vous puissiez être en bonne santé. Des aliments qui vont également venir vous donner de l'énergie et qui vont vous apporter un bien-être également sur le plan émotionnel. Donc je vous rappelle que nous devenons ce que nous mangeons, que nos cellules se nourrissent de ce que nous leur donnons et qu'il est vital, essentiel de leur donner le meilleur. Nous ne pouvons pas réclamer une bonne santé si nous mangeons tout et n'importe quoi, si nous ne faisons que nous alimenter sans prendre le soin de nous nourrir et par conséquent de nourrir nos cellules. Il est important de prendre soin également de nos organes vitaux, de nos organes qui ont pour fonction l'élimination des toxines. Donc ça, c'est important aussi, de bien s'assurer que tout fonctionne bien. Et pour que tout fonctionne bien, justement, il est essentiel de bien s'alimenter, d'avoir une alimentation saine, équilibrée, si vous le pouvez, le plus possible basée sur des fruits et des légumes crus ou cuits, mais quand même y avoir un maximum de légumes crus. Hein? Donc beaucoup de salades et des fruits, etc. Si vous cuisez vos aliments, eh bien rien n'empêche d'avoir surtout avant, des fruits et des légumes crus, jamais après. Et également de ne pas trop cuire vos aliments parce que sinon vous allez perdre tous les bienfaits, vous allez perdre toutes les vitamines, la vitamine C sera détruite et toutes les vitamines et minéraux seront détruites à la cuisson. Donc vous pouvez cuire à la vapeur douce. Et ça, c'est très bien. Mais quand même, privilégiez avant toujours une petite salade, des petites crudités, également des fruits avant ou pendant le goûter. Hein? Voilà, si vous avez la possibilité de vous faire un petit jus de temps en temps, tous les jours c'est encore mieux, en plus de votre alimentation. Des smoothies, ça c'est très bien aussi parce que vous allez retrouver les fibres dedans. Et voilà, donc manger des fruits comme ça à la croque. Alors, donc ça c'était pour l'alimentation. Donc pour privilégier une alimentation saine, équilibrée, basée sur les fruits et les légumes. Ne pas trop cuire vos aliments. Également, essayer de supprimer tous les aliments qui sont nocifs pour la santé. Ne pas trop manger de protéines animales si vous avez l'habitude d'en manger. En manger de moins en moins. Éviter les sucres blancs. Évitez les laitages et évitez également, si vous le pouvez, surtout si vous avez des problèmes d'intestin, tout ce qui comporte du gluten. Alors j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de tout cela, hein, donc je ne vais pas revenir en détail sur tous les méfaits de ces 4 aliments que je viens de citer. Donc, bien sûr, si vous décidez de changer votre alimentation, et ça j'en ai parlé aussi récemment dans une de mes dernières vidéos, si vous décidez de changer votre alimentation au profit d'une alimentation plus saine, plus équilibrée, qui va vous faire du bien, allez-y en douceur, respectez une transition et écoutez, apprenez à écouter votre corps. Votre corps, c'est ce dont il a besoin. Donc, écoutez vos besoins. Ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Mangez si vous avez faim. Apprenez à discerner si vous avez faim ou si vous avez juste envie de manger. Et si vous avez juste envie de manger, ça peut être soit de la gourmandise, ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose que vous vivez de difficile en ce moment. Vous savez que la nourriture est très liée avec l'émotionnel et ça peut être un moyen de vous remplir si vous sentez un petit peu seul, un petit peu vide à l'intérieur. Voilà, ça peut être tout un tas de paramètres qui font que l'on mange parfois alors que l'on n'a pas faim. Ça peut être des habitudes, voilà. Et j'ai fait des vidéos qui parlent de cela également. Hein. J'avais fait une vidéo qui s'appelait faim ou juste envie de manger. J'ai fait une vidéo également qui s'appelait pas trop haut la barre. Donc voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à voir ou à revoir ces vidéos qui pourront vous aider sur votre chemin du bien-être et de la santé. Hein. Donc ça, c'était pour l'alimentation. Alors également, se nourrir à l'intérieur et nourrir notre corps émotionnel, psychique. Il est important pour cela, et j'en parle très souvent dans mes vidéos, de vous observer pour voir, pour contempler comment vous vous sentez à l'intérieur, quelles sont les pensées que vous cultivez, quels sont les sentiments et les émotions qui vous habitent. Voilà, ce que vous vivez à l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Comme je le dis souvent, l'extérieur est le reflet, le miroir de l'intérieur. Si vous voulez changer l'extérieur, changez l'intérieur. Donc il est important que vous cultiviez de bonnes pensées. Ça, c'est vraiment vital. Même si vous avez une alimentation parfaite, parfaitement équilibrée, saine, basée sur des fruits, des légumes, enfin vraiment une très très bonne alimentation qui va bien vous nourrir sur le plan physique mais aussi émotionnel, puisque l'alimentation agit également sur l'émotionnel. Il y a des aliments qui nous rendent tristes, malheureux, agressifs, etc. Eh bien, si vous faites tout cela, mais que parallèlement à cela, vous cultivez de mauvaises pensées, vous êtes toujours dans une forme de colère ou de peur, de mal-être. Si vous avez des pensées négatives, souvent, très souvent, si vous avez du ressentiment pour quelqu'un, pour la vie, si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas, enfin voilà. Eh bien, vous aurez des symptômes. Votre corps va mémoriser tout cela et cela va se traduire par des affections, des infections, des maux physiques. Hein. Donc attention à tout cela. La santé, le bien-être ne se résume pas simplement à bien vous nourrir, à bien nourrir votre corps. Il faut également avoir une vie intérieure saine et pure, équilibrée, épanouissante. Donc ça, c'est très important, j'en parle souvent dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à voir et revoir certaines de mes vidéos qui parlent de cela. Et Faites un essai, faites l'expérience pendant 3 semaines, décidez que pendant 3 semaines, vous allez mieux vous nourrir, mieux nourrir votre corps, vous allez également cultiver de bonnes pensées et voyez ce qui se passe dans votre vie. Hein? Donc voilà, mieux se nourrir pour mieux vivre, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors il y aurait tellement plein d'autres choses à dire, mais j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, mais j'en reparlerai encore plus en détail de certains points. Là c'était juste une vue d'ensemble, juste un petit rappel pour vous qui me suivez et qui connaissez mes messages, et juste quelques petites informations, quelques petits conseils pour vous qui venez de me découvrir peut-être. Voilà, alors... n'hésitez pas à me dire où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, sur le plan de votre santé, de votre bien-être. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations, de conseils, si vous avez juste besoin de vous confier et que je vous aide peut-être à y voir un peu plus clair, hein, peut-être que je peux vous aider, vous guider. N'hésitez pas à me contacter et faites-moi savoir dans les commentaires si cette vidéo vous a apporté un petit quelque chose. Et de grâce, merci de mettre un petit like si vous avez aimé et si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Je repars dans la lumière, hein? Voilà, alors je vous remercie beaucoup, merci de me suivre, je vous fais confiance, je sais que vous allez y arriver, nous sommes le début de l'année, ah nous avons commencé février là maintenant, j'allais dire nous sommes encore en janvier, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein, chaque jour est une opportunité pour prendre de nouvelles décisions, faire de nouveaux choix. Alors prenez les bonnes décisions, faites les bons choix pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être, pour avoir une vie épanouissante, pour être heureux. Voilà, je vais arrêter là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous au naturel, prenez soin de votre corps, donnez-lui le meilleur, cultivez de bonnes pensées, faites un petit peu d'exercice également, hein, bougez et essayez de voir le bon côté des choses, le bon côté de la vie. Concentrez-vous sur le meilleur et vous amènerez à manifestation le meilleur dans votre vie, d'accord, hein? Faites l'expérience, expérimentez mes amis. Hein? À très bientôt, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous suivrez mes petits conseils, j'espère que vous irez de mieux en mieux si vous n'êtes pas bien et j'espère que vous resterez toujours bien si vous l'êtes. Hein? Voilà, si nous faisons tout ce qu'il faut pour être bien, eh bien nous restons toujours bien. Alors merci et n'oubliez pas, souriez à la vie et la vie vous sourira. Bye, c'était Anna de Lumière Intérieure, merci. make the heart grow stronger, a finder I can't quite remember anyway.